Le ministère public entendu déclare constant les faits de viol avec circonstances aggravantes reprochées à l'accusé Sergo Guersin. Le déclare coupable de ces faits. Le condamne en conséquence aux travaux forcés à perpétuité. Conformément à l'article 280 du Code pénal, renforcé par l'article 4, du décret du 6 juillet 2005, ainsi libellé, à transcrire. La peine sera celle de travaux forcés à perpétuité.